acheté celui-là. Et bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans la 5e émission de Cul Quiz. Je suis contente de vous voir là, aussi nombreux. Bonjour tout le monde, je vais pas tous vous citer, mais bonjour tout le monde. Merci June pour le follow. Bonjour tout le monde, bonjour aux supporters. Je reconnais quelques supporters de Shidi, de Romain pour l'instant. Il y a Dantre évidemment qui vient supporter Toranda, c'est cool. N'hésitez pas à vous battre un peu dans le chat parce que j'adore ça. Mais du coup... Bah, comme d'habitude, on va passer aux stars de cette émission. Je viens déjà d'en évoquer plusieurs, mais on va passer aux stars de cette émission. Salut, Captain. Toranda, notre championne, 2 victoires, égalité avec Azox. Mais tu as battu Azox à la dernière émission. Est-ce que tu te sens prête pour ta 3e victoire ? On va voir. Donc, comme vous l'entendez, je suis malade, mais on verra bien si le cerveau est toujours là. Oh, ça devrait le faire, ça devrait le faire. 5 points pour Gryffondor, merci. Juste au Wanda. Supporter, oui, on sait, Vavan, que t'es à la fois supporter, à la fois hater de Chidilia. Salut, Kezako. Adam is the Wanda. Alors, par contre, Toranda, toi, la difficulté que t'as maintenant pour l'émission, c'est de trouver un thème fétiche pour la finale. Oui. Ça va. Ouais, ça va, mais... C'est bien passé de prendre des films. Mais si y a une 4e, ça va être encore plus compliqué. J'avais une autre idée, mais je l'ai pas, là. Non, là, le cerveau, il est parti. Essaie de le rattraper avant les premières questions, il nous reste un peu de temps, mais... J'ai mis tous mes points sur toi, Romain, no pression, mais tu peux pas te louper. On va arriver à lui juste dans une seconde. Juste, n'oubliez pas, il y a une prédiction qui est en cours de ce côté, du coup. Il y a une prédiction qui est en cours, donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, Romain, première fois sur la Netra, bienvenue, déjà. Merci. Et merci cool. D'avoir... Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va ? Écoute, ça va. Un peu stressé, en vrai, quand même. Ouais. Mais parce que c'est pas un exercice habituel, hein, mais ça va. Ouais, c'est vrai, c'est pas un exercice habituel, mais c'est cool. Oui, on va bien s'amuser. Ben oui, on est là pour ça. Alors je vois que Kezako, tu perds, je te. C'est sa façon de me supporter, c'est ses mots d'amour. Quoi. Très bien, très bien. Non, mais je comprends. Coucou, Miss Killeuse. En 3e, nous avons. Notre BG de la Netra. Nous avons Noé, bêtises. Streamer de Netra TV, donc certains vous l'avez peut-être déjà vu sur l'antenne de Netra TV. Du coup, je te dis pas bienvenue parce que t'es un peu à domicile. Presque, ouais, c'est ça. Regardez-le comme il est beau. Mais en tout cas, ravi de t'avoir dans cette émission, comment ça va ? Bah, très bien, là je suis partant pour foncer jusqu'au bout. Maintenant, on va voir si je vais me ridiculiser ou si je vais arriver. Mais bon, je suis confiant. Le stress est pas là, donc on devrait se sortir. Très bien, très bien. Puis comme on disait, t'es à domicile. T'as peut-être pas beaucoup de supporters dans le chat, mais nous, on est quand même un peu avec toi. Ça doit être à zéro à peu près. On sait pas, peut-être j'ai passé le mot, mais bon. Ils vont arriver, t'inquiète ouais. Pas. Ouais, où ils vont. Je suis pour un ennemi. Où ils vont lurker. Ah si, y a des gens, regarde. Ils sont venus. mais oui, tu vois qu'il y a des gens. Et en dernier, bah, nous avons une autre streameuse de la Netra. Donc vous l'avez peut-être déjà vue aussi. Chidilia. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va ? Bah ça va, je suis un peu stressée, mais ça va. Mais non. Elle est en PLS, Chidilia. Ah mais vraiment aujourd'hui j'ai lâché mes nerfs et tout à l'heure vraiment je stressais. Mais non, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un bon moment à passer. C'est un gars intéressant. Et oui, Shidi, on l'a vu ce matin. Oui, c'est tout à l'heure, je t'en rappelle. Ouais, c'est ça. Mais oui, donc deux têtes un petit peu plus connues sur la Netra. Bon, Toranda, elle est chez elle aussi, à domicile, hein, maintenant. Elle va bientôt prendre les rênes de la Netra, je pense. Donc en fait, le vrai seul nouveau sur la Netra, c'est Romain.
Ouh là là. Shidi, on va rester sur toi pour l'instant. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ta chaîne et de ce que tu fais sur Twitch, sur ta chaîne perso? Déjà, je suis stream sur la Lettre TV depuis plus d'un an. Je fais généralement du Guild Wars 2, les Sims, et après ça change. Là, je fais beaucoup de Call of. Et sinon, sur ma chaîne perso, je fais beaucoup de JTA RP. Donc le soir, et puis voilà. Très bien. Noé, à toi un petit peu de nous présenter ta chaîne. Alors on balance le lien des chaînes de tout le monde, hein, donc ouais. N'hésitez pas à aller mettre un petit follow. Bon, évidemment, il y a la commande Chidilla et la commande Noé, vu qu'ils sont streamers chez Netra, mais les chaînes des deux autres, évidemment, seront publiées. N'hésitez pas à aller follow tout ce beau petit monde. Noé, à ton tour. Ouais. Alors ma chaîne, moi, elle est peu active pour le moment. Si vous allez dessus, vous allez voir que c'est un peu fantomatique, bref. Mais là, principalement, je me remets en forme sur Netra TV. Moi, je fais deux soirées par semaine sur Netra. Généralement, c'est régulier, c'est le lundi et le mercredi soir. Après, je compte d'ici l'année prochaine, c'est mon objectif de commencer à améliorer un peu le setup, etc. Il y a des choses en route. Dirons-nous. Après, moi, principalement, je suis un joueur de tout. Ça va aller des jeux les plus connus et plus simples, genre Rocket League, ou sinon, ça va être les jeux un peu sortis de nulle part. Je fais des let's play là actuellement sur des jeux, je suis sûr que les gens connaissent pas. Ça peut être des vieux jeux ou des jeux un peu obscurs, ou alors même des jeux indés. Donc, voilà. Très bien. Pas mal de supporters de Shidi là dans le chat sur les derniers messages. Bienvenue à tous, évidemment. Romain, à ton tour, est-ce que tu peux un peu nous parler de ta chaîne? Ouais, bah un peu pareil, moi, multi-gaming cliché. Le lundi, toute la journée, généralement avec Kezako qui était là tout à l'heure, on se fait une petite session à deux et, sur Fall Guys en ce moment, pas mal. On essaye un peu Overwatch 2 pour faire un peu de multijoueur. Et sinon, moi, je suis plutôt matinal sur les autres jours. Je stream du lundi au jeudi. Et du coup, le mardi, en ce moment, par exemple, je suis sur Odyssey, Super Mario Odyssey. En fait, je rattrape plein de jeux que je n'ai pas pu faire avant et Twitch me permet de rattraper plein de jeux. Le mercredi, je vais faire ma journée jeu de gestion. Là, j'étais sur Victoria et là, je vais passer la semaine prochaine, petit spoiler, sur Tropico pour avoir un truc un peu plus facile. J'avais voté Crusader King sur ton Twitter. plus tard. Et pareil, le jeudi, let's play Skyrim parce qu'au final, je ne l'ai jamais vraiment fini. Donc je sais que ça se finit jamais vraiment Skyrim, mais bon, je me suis dit, allez, let's go, on se lance. Et voilà, petit à petit, voilà, je découvre des jeux, c'est vraiment ma façon d'avoir des nouveaux jeux, que ce soit du jeu indé ou du gros triple A que j'ai raté, voilà. Ok. Non, mais j'adore Tropico aussi. Moi, les musiques me donnent envie de bouger mon popotin. j'adore Tropico, mais Crusader King, c'est vraiment un jeu de cœur. Mais je l'aime beaucoup aussi. Je l'ai déjà fait pour le coup hors stream, lui. Oui, bah, on en parlait sur ton live il n'y a pas longtemps. Ouais. J'aime bien. Chi, la reine de la culture. Bon, on va voir ça. Bon, et toi, Wanda, on va encore présenter ta chaîne. Je croyais que je sais quoi dire maintenant, mais non. Je stream principalement du contenu Tomb Raider, les jeux originaux ou les jeux ou les niveaux custom, les Tomb Raider Level Editor. Je stream en anglais principalement, en français quand je vois qu'il y a plus de français que d'anglais dans la salle. Sinon, je fais d'autres jeux qui sont particulièrement des jeux d'aventure, des jeux des plateformes puzzle, des trucs comme ça. Ok. J'aime bien me prendre la tête quand je joue. Bah, tant mieux. Sur le Tropico, je le bois, mais ok. très bien. On a fait un bon petit tour. La prédiction est presque finie, donc on va pouvoir commencer. Oh mon Dieu. Yeah. Ouais, on va pouvoir commencer, mais avant ça, petite explication pour les nouveaux viewers qui sont là. On commence par quoi? On commence par une première manche où je vais poser 5 questions à chacun des candidats, 1 point par bonne réponse. Les 3 candidats qui ont le plus de points sont qualifiés. Tout simplement. Et il n'y a pas de timer, prenez le temps qu'il vous faut.
On rend quand même l'antenne avant 23h. Mais prenez le temps qu'il vous faut, il n'y a pas de timer, il n'y a pas de pression. Je précise juste que votre score, si vous êtes qualifié, vous aidera pour la seconde manche. Plus votre score sera élevé, plus vous serez avantagé pour la seconde manche. Comme je le dis souvent, l'essentiel c'est déjà de se qualifier, mais plus votre score sera élevé, plus la seconde manche sera à votre avantage. Tomanda, qui a sa couronne, j'avais même pas remarqué. Oui. J'avais même pas remarqué qu'elle avait sa couronne. Couronne ouais. La nouveauté de l'épisode 5. Est-ce que tu es prête pour ta première question? Autant qu'on peut l'être. Autant qu'on peut l'être. Très bien. Et j'aime beaucoup cette question. On va commencer par quelque chose de très classe, je trouve qui nous représente bien tous ici. Quelle spécialité culinaire française, comprenant des haricots blancs et de la viande, est revendiquée par les villes de Toulouse et de Castelnaudary? Le cassoulet. Moi, je trouve que commencer une émission par le cassoulet, c'est quand même extraordinaire. J'ai failli manger ça ce soir. Je suis un peu en bon Toulousain, je suis un peu deg. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas tombée sur moi. Ah oui, ok. Mais du coup, c'est Toulousain ou c'est Castelnaudarien? Castelnaudarien. Je sais okay, même pas s'ils ont les... Castelroussin, je crois, on les appelle. Oui, c'est Castelroussin, oui, effectivement. Ouais. Ok, Toulouse, ok, il y a des gens de Toulouse. Apparemment, la question fait beaucoup rire. Franchement, quand j'ai écrit cette question, je l'ai mis en 1, enfin, je l'ai mis au tout début. Je me suis dit, commencer l'émission par du cassoulet, c'est cool. Et salut, Mord. Avant de commencer à la question de Romain, petit point prédiction. Ok, les gens se rappellent des victoires de Tohanda. Tohanda qui est largement favorite dans les aïe, aïe, aïe. Dans le cœur des gens. J'ai l'impression. Romain. Zéro pression, encore. Mais non, zéro pression, clair. À part celle que tu es en train de boire. Mm. Première question pour toi, Romain. Les Castelroussins sont les habitants de Châteauroux. Ah, très bien. Et ça sonne bien. Première question pour Romain. Dans quel film de James Cameron peut-on voir les navis, des êtres à la peau bleue, se défendre contre une invasion humaine? Avatar. Très bien. No way. Dans quel sport un joueur peut-il faire des dunks et tirer des lancers francs? Le basketball. Très bien. Les schtroumpfs, non. Chitilia. Alors, bien sûr, précise pour les viewers, on ne spoil pas les réponses parce que les candidats sont dans le chat. Donc si jamais vous voulez donner les réponses, c'est évidemment après la question. Et je vous invite à le faire, évidemment. Mais après les questions. Chidilia, quel youtubeur et streamer est aussi connu, sous le nom de Pierrot Barbare? Bob Lennon? Oui, il est sorti de loin, celui-là. Mais j'ai... Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps que je calcule. Ok. J'ai oublié qu'il était streamer aussi. L'essentiel, c'est que ce soit revenu. Exactement. Les hommes bleus, les schtroumpfs. Oui. Mais quelqu'un a fait la blague avant toi. Tomanda. Oui. Deuxième question. Oui. Dans quel groupe de rap marseillais Soprano a-t-il commencé sa carrière? Des rap marseillais Soprano, putain, j'en sais rien. J'arrive pas à savoir si les autres candidats l'ont ou pas. Je crois. Oh, Miss Kilos qui a une question rap, ça c'est à noter sur le calendrier. Je suis sûre qu'on va me dire, je vais dire ah oui, forcément, mais là ça me vient pas, donc non, je sais pas. Non, tu veux pas tenter un ouais. truc Non, j'ai même alors, pas une proposition, tu vois. Est-ce que quelqu'un l'a parmi les candidats? Non. J'aurais dit un truc de merde, moi je suis sûr que c'est pas ça. Vas-y. Non mais j'aurais dit un vieux groupe de rap, genre NTM, un truc du genre, mais... Non, dans le chat si vous l'avez, allez-y. Et bon, bah monsieur la régie. Les psychiatres de la rime. Exactement. Pas une... Et non, ce n'est pas 113 Sunrise. Et ce n'est pas Ayam. Et écrit comme ça, encore moins. Encore moins.
Mais je croyais que tu voulais dire Aya Nakamura à la base et que t'avais appuyé sur rentrer trop vite. Je suis choquée de connaître ça. Romain, dans quel jeu de combat trouve-t-on les personnages Ryu, Ken et Blanca? C'est Street Fighter. Ouais. Attends. Oui, j'ai eu un doute. C'est ça, c'est ça. Alors, bien sûr, je prends la première réponse qu'on me donne. Hein, oui, en plus, oui, c'est pour ça. Oui, oui. Voilà. Il faut réfléchir avant. Ouais. Bon, non, c'est bien Street Fighter. No way. Comment s'appellent les versions Pokémon qui viennent de sortir il y a deux jours? Écarlate et Violet. Très bien. Chidilia. Oui. Qui interprète John McClane, le personnage principal de la saga Die Hard? Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas Die Hard. Ah. Tu donnes ta langue au chat? Je l'aurai pas dans tous les cas, donc... Ok, apparemment vous l'avez, les autres. Yes. Allez-y. Bruce Willis. C'est Bruce Willis. Alors, pour t'aiguiller, Georges Chidilla, la version française, c'est Piège de cristal, Une journée en enfer, etc. Oui. Peut-être que ça t'aidera un peu mieux. Je dirais pas. Et oui, Christy, c'était les psychiatres de la rime, la question rap. Ton mandat. Et quel fruit a pour variété la griotte? Cerise. Oui. Romain, dans la saga Eragon. Ouf. Bah, c'est la deuxième question Eragon en cinq émissions, ça va. Dans la saga Eragon, comment s'appelle la dragonne d'Eragon? J'en ai aucune idée. Parce que je ne connais pas du tout la saga. Est-ce que quelqu'un l'a? Non. Dans l'assistance, non. Est-ce que dans le chat, quelqu'un d'Indre, de la mort, d'Indre. Qui connaît le nom de la dragonne d'Eragon? Je me rappelle l'incantation du feu, là, c'est tout. C'est Saphira, exactement. Et c'est une dragonne bleue, comme son nom l'indique. Hey. No way. Alors, il y a 15 jours, on a demandé quelle était la plus grande planète du système solaire. Mais moi, j'aimerais savoir aujourd'hui quelle est la plus petite. Alors, c'est la merde. je vais dire de la merde. Je vais dire Pluton, mais je vais dire Pluton. Non, parce que Pluton n'est plus considéré comme une planète. Voilà. Mais en fait, je ne sais plus si c'était considéré ou plus considéré. Mais tant pis pour moi. Mais je ne l'aurais pas eu de toute façon. Et... Dragon bleu aux yeux blancs, j'ai la ref. Et non, il s'agit de Mercure. Ouais, j'aurais pas dit ça de toute façon. Fidilia. Ah, celle-là, je pense que tu vas la voir. Dans quel jeu vidéo narratif joue-t-on plusieurs androïdes chargés d'obéir aux humains jusqu'à ce qu'ils ne dépassent les limites? Les trois Become Human. C'est un petit peu bafouillé, mais c'est ça. C'est ça. C'est une planète naine, la question est ambiguë. Elle est considérée comme une des 8 planètes du système solaire d'antre, donc non. La question n'est pas ambiguë. Et c'est effectivement Detroit Become Human, qui est un jeu incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez tous fait, mais c'est un jeu incroyable. Pas encore. Je l'ai pas fait. Pas fait non plus. Je l'ai vu en let's play, mais c'est tout. Oui, bon, ça va. Mais ça va. Tac. Tu parles de quoi? Tu parles de Mercure, Nunu? Ou de Pluton? Non, je parlais de Pluton. Oui, voilà, elle a été retirée en 2006 de la comptabilisation des planètes officielles du système solaire. Oui, c'est ce qu'on a dit. Pluton n'est plus considéré. À cause notamment de son orbite décalée de quelques degrés par rapport aux autres planètes. 20, tu parles de Mercure? Elle n'est pas sphérique aussi, non? Alors, c'est une bonne question. Mais je crois qu'elle était trop petite de toute façon. On repart sur tout, Wanda. Oui. Petite question sport. Question football. Oh, petite question football. Ça tombe sur toi, je suis désolé. Quel club de foot professionnel français est surnommé les 100 et or dû à ses couleurs? Oh, putain. Oh, apparemment Romain, là. Il s'est relevé comme quand moi on me parle de tacos. Hein. On va dire Toulouse. Non, ce n'est pas Toulouse. Romain, vas-y. C'est Lens. C'est Lens. Pourquoi cette vive réaction?
Parce que je savais pas quelle allait être la question et j'ai fait du foot pendant un moment, donc... Ok, voilà. Ok. En plus, ils ont vraiment les mêmes couleurs que ton pull, toi, Wanda, donc... Ouais, Gryffondor, j'aurais dit. Bah oui. On peut en être. Et oui, effectivement, Toulouse, ils sont merde. En violet. Romain, petite question géographie. Dans quel pays trouve-t-on la ville de Tombouctou et la capitale Bamako? Sénégal? Non. Non. Est-ce que quelqu'un l'a? Okay. Elle est un peu dure, celle-là. Est-ce que quelqu'un l'a dans le chat? La régie, est-ce que tu l'as? Cameroun? Non, je sais pas, c'est pas ce... C'est... Non, 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 ce n'est pas le Cameroun. Af, c'est quoi Af? Nigeria, non. Non, il s'agit du Mali. Mali, ah mais oui. Ah, mais oui. Ah, c'est voilà. Pas facile comme question, c'est pas facile. Sûr. Mais de toute façon, là, on rentre dans les questions 4, hein, donc ça commence à être un peu dur. Noé, dans Naruto, en plus de Tsunade et d'Orochimaru, qui complète le trio des Sanin légendaires? Jiraya. Ouais. C'est pas une question 4, ça. Faut connaître Naruto, mais oui. Si t'as jamais vu Naruto, je suis désolé. Moi, je l'avais pas. Hein. Oui, voilà. Shidi. Ouais. Petite question littérature. Qui a écrit Les Fleurs du Mal? Stendhal. Pardon? Stendhal. Non. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Baudelaire, non? Exactement, c'est Baudelaire. J'ai hésité. Ouais, Stendhal, c'est le Rouge et le Noir, le livre le plus connu. Non, comment ça? Baudelaire, ok. Oh non, j'ai tellement hésité. Sunrise, je ne comprends pas ce que tu dis. Je crois qu'il ne donne que la première partie de la réponse à chaque fois. C'est ça. Baud, c'est Baud. Donc, tout le monde est à 2, Noé est à 3. On rentre dans la dernière question. Heureusement que tu as mis des questions bonus, j'espère. Oui, j'ai des questions bonus. J'en ai écrit 10 cette fois. Ouf. On en est à Tomanda. Quelle est la capitale de la Mongolie? Oh putain. Noé qui est mort de rire. Mais c'est quoi ces questions? J'avais envie de la placer un jour parce que perso, je connais la capitale et je me suis dit, il faut que je la place un jour. C'est moi qui t'avais posé la question. Oui. Que je connais une ville de par là-bas, moi. J'en sais rien. Ah, c'est hardcore, hein. Si tu sais pas. Oui. Ça s'invente pas. Ouais. C'est ouais. Tu l'entends pas tous les jours, quoi. Je sais pas. À part Noé, est-ce que quelqu'un l'a? Ouais. Oulan-Bator, non? C'est ça. Oulan-Bator. J'ai pas eu le Mali. Albator super animé. Moi je m'en rappelle en me disant Oul Bâtard à chaque fois et ça revient. D'accord. Romain, c'est à toi. Quelle déesse égyptienne ayant l'apparence d'un chat est la déesse protectrice des femmes enceintes et des enfants? Oh putain. Faut avoir joué à Smite. Faut jouer à Smite, les gens. Ça vous aide beaucoup, Smite. Sur le quiz. J'ai tellement pas de chance sur les questions. Sekhmet? Non. Ah, c'est... Tomanda? Bastet? C'est Bastet. Oh, c'est Bastet, ouais. No way. Les questions 5 sont vraiment très dures aujourd'hui, je le ressens. Ça tombe pas sur les bonnes personnes, j'ai l'impression. Oui. Noé, à quel âge est décédé Alexandre le Grand? Waouh! À 5 ans près ou pile poil? Voilà! À la minute près. Alors. 48 ans? Alors, est-ce que quelqu'un l'a? Ou pas? J'aurais dit 33 au pif. Parce que c'est connu qu'il est mort jeune.
Il fait club, ouais. Partie du club des 27 aussi, lui ou... La question tacle. C'est connu qu'il est mort jeune. Et ouais. Tomanda, t'étais pas loin. D'entre, exactement, il est mort à 32 ans. Eh ben, il faut le savoir, en fait. Hein. 22, 42 moins 10, oui. Sunrisen qui s'amuse à nous faire des énigmes en même temps. Il y a un double jeu, du coup. 42 moins 10, oui. Shidi. Shidi, pour ta dernière question. Dans tous les cas, il va y avoir des questions bonus. Alors, Shidi, comment s'appelle le personnage interprété par Louis de Funès dans le film Rabbi Jacob ? Romain de la part, Toanda, je crois que ça va venir. On ne sait rien du tout. Je l'ai pas, celle-là. Je l'ai pas. Ok, est-ce que quelqu'un l'a ? Non. Toanda non plus ? Je sais pas, comme ça, quand j'ai M. Cernin qui est venu, mais c'est pas ça, je pense. Non. Est-ce que quelqu'un l'a dans le chat ? Parce que c'est un film culte, quand même. Pour le coup. Monsieur Pivert, exactement. Ah, c'est Victor Pivert. Non. Ouais, ça me paraît que Jacob, c'est la danse et la fille rire. C'est clair. Alors, bon, bah, du coup, c'est la première fois que ça arrive, mais il y a une triple égalité. Donc, il va y avoir question bonus. Ce qui est sûr, c'est que Noé est qualifié. Ça, c'est bon. Captain Wells, exactement. Donc, Noé est qualifié. Mais nous avons une égalité entre Toanda, Romain et Shidi. Donc là, en fait, on va passer en question de rapidité. Waouh. Le premier qui met un point est qualifié. Aussi simple que ça. Question de rapidité, donc. Il n'y a pas de galanterie. Vous me coupez la parole, etc. C'est le premier qui dit la réponse qui a le point. Ok ? Ok. L'arbitrage est prêt. C'est parfait. Dans quel pays se trouve Stonehenge ? Angleterre. Pays de Galles. Je prends la première réponse, Romain. Ah oui. Tu as dit Angleterre. Écosse. Et c'est la bonne réponse. Oh, c'est Angleterre. C'est Angleterre. Oh, c'est Angleterre. Oh, tu as dit la bonne réponse. Oh la chatte. Bien joué. Donc, tu es qualifié. Bien joué. Ça se joue entre Chidilia et Toanda. Quel sport est pratiqué dans une piscine et oppose deux équipes avec un ballon et des cages flottantes. Water polo ? C'est le water polo. Oh ! La championne qui se sauve au dernier moment. J'ai dit, tu n'as rien dit, on est d'accord. Hein. Mais je l'avais, mais j'ai pas eu le temps de le dire. Je suis désolée, j'ai dit. Le clutch de Romain, carrément. Mais surtout, là, le clutch de Toanda, qui vient de se sauver. Parce que la championne éliminée à la première manche, ça aurait fait... ça aurait gueulé dans les chaumières. Le sport détesté de Napoléon. Ah, j'ai pas la ref. Est-ce que ça tue tous les choses. Ah oui, Waterloo, putain, oui. En vrai, la blague est monstrueuse, mais je suis pas concentré. Oui, Toanda a eu chaud, mais elle est qualifiée. Bravo. Je l'aurais blâmé sur le grume. Donc bravo à tous les trois. Chidilia, je suis désolée, tu es éliminée. C'est pas grave. J'aurais essayé. En vrai. C'est vrai. Non mais en vrai, j'avoue que la première manche était un peu dure par rapport à d'habitude. Je pense que Toanda pourra confirmer. Je pense que Toanda confirme. La première manche était un petit peu dure, mais on a quand même 3 points et 2 points, c'est pas ridicule, loin de là. J'avais dit que je serais éliminé en première manche, mais non. Bon, dans tous les cas, tu restes avec nous jusqu'au bout. Désolé pour cette élimination. J'espère quand même que t'as passé un bon moment. Ça aurait été court, écoute. Le stress a même pas eu le temps de descendre. Juste avant de se quitter... Pour aller en deuxième manche, est-ce que tu veux bien nous dévoiler le thème que tu avais choisi pour ta finale ? Si finale il y avait. Vas-y, Twilight. Voilà, donc les films Twilight. Je me suis régalé à écrire les questions. Ils ne serviront à rien. Non, si, elles me serviront pour la prochaine émission. Ça, il n'y a pas de souci. Je te les dirai si tu veux. On les prend en off après l'émission.
Ouais, souvent on le fait en off après l'émission ou pendant la pause, voir combien t'aurais eu sur ton thème. On esquive Twilight. Bah ouais, mais c'est pas bien, je voulais voir les questions. T'inquiète Nini, je te les enverrai. Nous, en tout cas, avec Noé, Romain et Towanda, et Chidilia en off qui nous rejoindra à la fin, on revient dans 3 minutes pour la deuxième manche. A tout de suite. Et rebonsoir! Rebonsoir! On se retrouve pour la deuxième manche, le high five, avec du coup ben Noé qui a pris la première place parce que c'est lui qui avait le plus de points. Et ensuite, bon, y a eu une petite erreur dans la régie, Romain est censé être devant Towanda, donc faudra bien que je pense à poser. Ouais. Oh, bon, ça le fait en direct, allez, c'est bon, YOLO! Wow. On n'a rien vu! Wow. Ah, et ensuite, Romain et Towanda. Vous n'avez rien vu. On n'a absolument rien vu. Donc en tout cas, rebonjour. J'espère, mes chers viewers, que vous passez quand même un bon moment. C'est vrai que la première manche était un peu dure, mais on va se rattraper sur la suite, vous inquiétez pas. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient un peu réunies sur des vocaux, etc., pour regarder l'émission. Franchement, merci beaucoup. En vrai, ça me touche énormément. Donc merci. Merci pour ton follow, Delta. Donc merci. Vous retrouvez en vocal et tout pour voir l'émission. C'est vraiment quelque chose qui me touche vraiment, donc merci beaucoup. Et ceux qui regardent sur leur télé, etc., je suis la Samuel Etienne, finalement. Oh, excuse-nous. Je sais pas. Mais vive Inomi, surtout. Et no, oh oui, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le high five, c'est quoi? C'est la deuxième manche. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ceux qui ne connaissent pas l'émission? On va proposer 6 thèmes aux joueurs. Chaque joueur va pouvoir piocher un thème,
Je vais lui poser des questions sur ce thème. Il aura 1 minute 30 pour répondre aux 5 questions. Je vous rappelle, messieurs, dames, les candidats, que 1 minute 30, c'est très long. Pour 5 questions, Towanda, je pense, peut le confirmer. Vous avez le temps de réfléchir et vous avez le temps surtout de passer les questions et d'y revenir ensuite. Vous y avez le droit. Par contre, je prends évidemment la première réponse que vous allez me donner. Merci beaucoup pour les follow Fanzone et Guinacout. Donc, 1 minute 30, 5 questions. Et du coup, il y a 6 thèmes, vous êtes 3, vous allez pouvoir piocher chacun 2 thèmes. Alors, je ne sais plus exactement dans quel ordre je te les ai donnés. Alors, je vais juste les reprendre de mon côté, hop. Et ce n'est pas exactement du même ordre que sur mon fichier. Alors, les 6 thèmes du jour sont les chansons Disney. Le Seigneur des Anneaux, livres et films. Pas uniquement basé sur les films. Il y a aussi des livres. Nous avons le noir. La couleur noire. Okay. What ? J'adore ce thème. J'adore ce thème. Et là, Towanda. Le N-word. Ah, bravo. Towanda qui a participé, déjà, c'est sa 3e participation, elle a jamais vu un thème comme ça. Mais peur, j'adore ce thème. Ensuite, nous avons le thème jeu vidéo habituel. On a toujours un thème jeu vidéo. Et c'est toujours sur un genre de jeu vidéo. On a déjà eu les RPG, etc. Aujourd'hui, c'est sur les Battle Royale. Oui, mais on ne dit pas la couleur noire. On dit juste le noir. Ensuite... Et là, c'est un thème que j'affectionne particulièrement, mais je sais que vous allez me maudire, mais c'est pas grave. Alors, je sais pas comment tu as inscrit le thème exactement, mais nous avons la chanson française des années 80-90. Oh mon dieu. J'adore ce thème. Franchement, moi, j'aurais pris ça direct, parce que je suis fan, mais... Et le dernier thème, c'est Astérix. Mmh. Ah, mais ça va. Donc comme d'habitude, on a un peu des thèmes pop culture, on a un peu des thèmes bizarres, mais j'adore. Est-ce que, sans me dire ce que vous allez prendre et tout, est-ce que ça vous inspire ou est-ce que là vous êtes en mode au secours? Il y a un peu du au secours, moi. Il y a un peu du au secours aussi, ouais. Et dans le chat, est-ce que c'est au secours? Dans le chat, dites au secours. Thème, vous dites aise. Voilà, juste pour me dire si vous êtes bien ou quoi. Ou quoi, aise. Pardon. Easy. Easy. Bah alors Easy. En lisant les thèmes, tu peux te dire c'est facile, mais en même temps, c'est ouais. Nomi qui pose les questions, hein, rappelez-vous. C'est lui qui fait les questions. Donc, T'as dit aussi qu'on pouvait demander des précisions sur les thèmes. On peut demander des précisions. Ok, easy, au secours. Ok, help, dites c'est pour deux. Shidi. Toi, est-ce que ça t'inspirait ou pas trop? Bah en vrai, Disney ouais. Après le ouais, peut-être chanson française et Battle Royale, le reste non pas du tout. Ok. Alors, du coup, chers candidats, si vous avez besoin de précisions sur un thème, je peux essayer de vous apporter des précisions. Mais voilà, globalement les 6 thèmes avec lesquels vous allez jouer ce soir, Noé, c'est à toi. D'en choisir un, évidemment. Il y a rien qui me parle vraiment, mais franchement, vu que je suis plus proche, je vais dire, du jeu vidéo, donc ça va être le thème jeu vidéo Battle Royale Très bien. Que je vais choisir. Très bien. Je m'attendais à ce qu'il parte assez vite, le thème Battle Royale. Est-ce que tu es prêt? 1 minute 30, 5 questions. Tu as le droit de passer les questions et d'y revenir ensuite. Je prends la première réponse que tu me donneras. Est-ce que tu es prêt? Oui. C'est parti. Sur quel jeu le mode DayZ est-il apparu? Arma 2. Oui. Comment s'appelle le mode Battle Royale des jeux Call of Duty? Warzone. Oui. Dans quel Battle Royale, situé dans l'univers de Titanfall, peut-on incarner plusieurs personnages aux pouvoirs variés, comme Lifeline, Bloodhound ou Pathfinder?
Apex Legends. Oui. Dans quel Battle Royale le rappeur Travis Scott a-t-il effectué un concert virtuel? Fortnite. Oui. Quel jeu de réflexion, dont le but est d'empiler des formes géométriques, a sorti un opus multijoueur dont le but est d'être le dernier survivant? Tetris 99. 5 sur 5. 5 sur 5, bravo. J'étais pas sûr. J'étais pas sûr et puis je viens de voir le temps en plus là. Non, dans mais, le chat, comme d'habitude dans le chat, dites-moi combien vous auriez eu. On va refaire le petit tour des questions, même si t'as donné toutes les réponses. En tout cas, félicitations, c'est un 5 sur 5. Bravo. Donc, sur quel jeu le mode DayZ est-il apparu? C'est évidemment Arma 2. Alors j'aurais accepté Arma tout court. Évidemment. Ouais. Mais tu nous as donné Arma 2, donc c'est très très bien. Comment s'appelle le mode Battle Royale des jeux Call of Duty? C'est bien Warzone. Dans quel Battle Royale situé dans l'univers de Titanfall? Ça, je le savais pas, pour le coup. Que c'était dans l'univers de Titanfall. Peut-on incarner plusieurs personnages ou pouvoir varier comme Lifeline, Bloodhound et Pathfinder? C'est Apex. Dans quel Battle Royale le rappeur Travis Scott a-t-il effectué un concert virtuel? C'est Fortnite. Quand j'ai écrit la question, j'avais mis Drake, parce qu'il me semblait que c'était Drake qui avait fait un concert, mais non, c'est Travis Scott. Marshmallow, c'est Marshmallow, je crois qu'il a fait, mais... Et quel jeu de réflexion dont le but est d'empiler des formes géométriques a sorti un opus multijoueur dont le but est d'être le dernier survivant? Tetris 99. Cher candidat, vous auriez fait combien? T'aurais accepté Tetris ou pas? Ouais, c'est accepté Tetris, parce que j'ai hésité à juste dire Tetris, j'ai fait même, mais si je dis pas le nom... J'aurais accepté Tetris. Okay. J'aurais fait 2. Ouais. J'aurais fait 3. Ah, ok. Shidi, t'aurais fait combien? J'aurais fait 5. Oh Ouh. Ouais, là, ouais, les deux streamers n'est pas très Battle Royale. Voltiat, on a du 5, du 1, du 3, du 2, du 1... Ouais, c'est clivant, comme très souvent d'ailleurs. C'est pour ça qu'on le rappelle, qu'on rappelle très souvent, chacun sa culture. Donc, donc voilà. En tout cas, félicitations, c'est un 5 sur 5. Bravo à toi. Merci. Et c'est au tour de Romain. Oh là là, j'ai peur, parce que l'univers est vaste, mais c'est celui qui m'inspire le plus, donc Seigneur des Anneaux. Très bien. Alors, donc je rappelle, c'est livres et films. Très bien. Oh, est-ce que tu es prêt? Oui. C'est parti. Qui a écrit Le Seigneur des Anneaux? Tolkien. Oui. Que prononce Gandalf pour inciter les autres à l'abandonner juste avant de tomber dans les tréfonds des mines de la Moria? Aux autres, il dit « Courez, pauvre fou !» Non. Combien de membres compte la communauté de l'anneau? Fuyez. Combien de membres qu'on... Attends, je compte, hein. Je compte. Vas-y, vas-y. Désolé, hein. 8. Non. J'en oublie un. Oh putain, c'est 9. Comment s'appelle la forteresse dans laquelle siège le roi sorcier d'Angmar? Je savais. Ah, j'ai plus. J'ai pas. En plus de Gandalf et Saruman, combien de mages débarquent en Terre du Milieu afin de combattre Sauron? Un seul? Non. Comment s'appelle la forteresse dans laquelle siège le roi sorcier d'Angmar? Ah, j'ai pas. J'ai pas. Je savais que c'était trop du... C'est la fin, du coup. Ah, c'est la fin, ça nous fait 2 points, si j'ai pas de bêtises. Hein non, un, non, un seul point. Un seul. Ok, on va refaire le tour des questions. Donc, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux? C'est évidemment J.R.R. Tolkien. En régie, tu m'as dit un truc, pardon? Moi, j'avais les 5, mais... Ouais, chacun sa culture. Les Seigneurs des Anneaux, je pense, mais après... Donc, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux? J.R.R. Tolkien, évidemment. Que prononce Gandalf pour inciter les autres à l'abandonner juste avant de tomber dans les tréfonds des mines de la Moria? Ah, tu as dit courir, pauvre fou, mais non, c'est fuyez, pauvre fou. Fly, you fools. J'aurais accepté le fly, you fools, et j'aurais accepté aussi la réplique dans le livre qui est fuyez, fou que vous êtes. Donc il y avait 3 réponses possibles. Ok. Il y avait 3 réponses possibles. Combien de membres compte la communauté de l'anneau? C'est 9.
Putain, c'est 9. J'ai 9 qui est venu et en comptant, j'en oubliais un. Il y a 9 Nazgûl, sinon. C'est ça. En fait, c'est les 9 membres de la communauté de l'anneau opposés aux 9 Nazgûl. Donc, tu as les 4 hobbits, tu as les 2 hommes, et ensuite, tu as le nain, l'elfe et le magicien. Mais oui, j'ai pas compté Gandalf, simplement. Voilà. Il est mort, lui. Ouais, lui, c'est bon. La question d'avant, il était mort, donc c'est bon. Bon courage pour le taf, Captain. Merci d'être passé. Comment s'appelle la forteresse dans laquelle siège le roi sorcier d'Angmar? Alors, c'est aussi dans les livres, dans les films, pardon, parce qu'on voit d'ailleurs Frodon, Sam et Gollum passer juste devant. Qui a la réponse? Qu'une seule. Minas Tirith. Non, Minas Tirith, c'est l'ancien nom. C'est le nom à l'époque. Minas Morgul, du coup. Ouais. Voilà, c'est Minas Morgul. Ah, c'est mort. Ok. En fait, Minas Tirith, c'était à l'époque où c'était le Gondor qui possédait la forteresse, et ensuite c'est devenu Minas Morgul. Et non, Minas Tirith, c'est la capitale du Gondor Noé. Ouais, mais en fait, moi, je connaissais que ça. Ok. Non, Khazad-dûm, c'est une des chambres des nains dans la Moria. Le pont de Khazad-dûm. Et en plus de Gandalf et Saruman, combien de mages débarquent en Terre du Milieu afin de combattre Sauron? Est-ce que quelqu'un a la réponse? 3. Et oui, c'est 3. Parce qu'il y a Radagast, qu'on voit dans les films Le Hobbit. Ensuite, il y a les deux mages bleus, qu'on ne voit ni dans les livres ni dans les films, mais qui sont évoqués dans les livres. Ah, ok. Voilà, les deux bleus et le brun, effectivement, le brun étant Radagast. Donc voilà, dans le chat, combien vous auriez fait comme d'habitude? Noé, Toanda, Shidi, combien ça aurait fait? 4. Okay, Shidi nous dit 0. 1,5 pour Noé. Vraiment, enfin, parce que je sais pas, il y a une réponse, je sais pas si ça serait sorti. Mais bon. Ouais, thème assez dur apparemment pour tout le monde dans le chat, quasiment. Ok. Tout le monde a. Alors c'est le moment d'essayer de prendre un peu d'avance sur Romain, mais avec quel thème? Alors on va tenter les chansons Disney. Tu veux pas les chansons FR des années 80-90 plutôt? Bon, il va tomber un moment de toute façon. Ah bah c'est obligé. Voilà, donc... je sais pas, parce que c'était l'un ou l'autre de toute façon. Les chansons Disney. Très bien. Là, je sens que dans le chat, il va y avoir des fans de Disney qui vont se manifester. Ah, mais j'ai peur qu'elle me sorte un truc, le truc des abysses, là. Bref, ah, bah, tu me connais. Oui. Tu me connais. Alors... Est-ce que tu es prête? Oui. C'est parti. Dans quel film Disney peut-on entendre Elsa chanter « Libérée, délivrée » ou à la Reine des Neiges? Que mange la Belle et le Clochard lorsque la chanson « Belle Nuit » retentit? Des spaghettis avec des boules de viande. Oui. Avec quelle chanson le génie se présente-t-il à Aladdin lors de leur première rencontre? Je suis ton meilleur ami. Oui. Avec quel film Disney qui sert d'initiation à la musique classique peut-on entendre la musique L'Apprenti Sorcier? Fantasia. Ouais. Quel personnage interprète pour les hommes? Oh. pour les hommes. La difficulté, c'est que je ne donne même pas le film. Ouais, mais putain. C'est une question 5. Pour les hommes. Et j'ai besoin du personnage qui interprète la chanson pour les hommes. Parce que je ne connais pas. On va taper sur O'Malley. J'en sais rien. Non. Est-ce que quelqu'un parmi les streamers l'a? Parce que... Oui, le thème est fini. Toutes les réponses ont été données. Personne c'est là dans Mulan l'assistance? Non. C'est dans Mulan? Non. C'est comme un homme dans Mulan. Là, la régie, là genre... C'est quoi le film? Dis-moi que... C'est dans Vaiana. Et c'est Maui. Ah, du coup, c'est lors de la rencontre entre Maui et Vaiana. J'aurais du mal à retenir, à ressortir son nom aussi. Donc. Effectivement, il y a pas mal de gens qui l'ont dans le chat. Alors, je vois du 5, du 2, mais il y a pas mal de 5 hein, dans le chat, donc bravo. On refait vite fait les questions, comme d'habitude. Dans quel Disney peut-on entendre Elsa chanter « Libérée, délivrée » Évidemment, la Reine des Neiges. Frozen est acceptée, hein, y a pas de souci.
Que mange la belle et le clochard lorsque la chanson Belle Nuit retentit? Moi j'avais mis des spaghettis bolognaises, globalement c'est ça. Hein. Avec quelle chanson le génie se présente-t-il à Aladdin lors de leur première rencontre? Je suis ton meilleur ami. Que je trouvais pas si facile que ça comme question, parce que la chanson est extraordinaire évidemment, mais de là connaître le titre. Dans quel film Disney qui sert d'initiation à la musique classique peut-on entendre la musique L'apprenti sorcier Fantasia? Et donc, quel personnage interprète pour les hommes? C'est Maui dans Vaiana. Ça nous fait 4 sur 5. Bravo. Noé, c'est à toi de choisir ton deuxième thème. Sans conviction, je vais partir sur Astérix. Hein. Ça m'étonne pas. Mais en vrai, c'est plus que j'esquive, tu vois. Il y a deux thèmes, j'ai fait. Oui, j'ai bien senti que t'étais en Matrix là. Exactement. Ok. Vive avoir deux petites filles à la maison, du coup, tu connais tout. Bah ouais, évidemment. Je vais me taper le noir. À ne pas sortir du contexte. Qui fait ça? Mais qui fait ça? Noé, est-ce que tu es prêt pour le thème Astérix? Ouais, non, mais ouais. C'est parti. Comment s'appelle le chien d'Obélix? Idéfix. Que reproche-t-on au poisson d'ordre alphabétique? Qu'il n'est pas frais. Oui. Quel est le métier d'Obélix? Tailleur de Ménix. De Ménix. Non. le pronom, pardon. J'ai sorti un truc au hasard. Ok, c'est pas grave. Avec qui? Attends, je peux plus. Magnifique. J'ai fait bugger la présentatrice. Je suis désolé, Noé. Oh putain. À peu près, ouais. Oh putain. Ok, on va se... Plus moi quand je pars en fou rire, ça dure une heure. Ah ok. Attends, je suis d'heure. À tout à l'heure alors. On est là jusqu'à demain les frérots. Ok. Tu veux que je mette un écran d'attente? À l'écrit. Non, c'est bon. Technical difficulties. N'y pense plus, lis tes questions. Je lis le chat en plus. Faut pas que je lise le chat. Il faut pas, dans ces moments-là, c'est l'erreur à ne pas faire. Oui, mais bon, je suis streameuse, j'ai l'habitude de lire le chat. Ok. Ok, est-ce que tu es prêt à reprendre en régie? No way, est-ce que tu es prêt? Ouais. Non. C'est la première fois que ça arrive en 5 émissions. Ok. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Lecture, putain. Ok, je suis désolé les viewers. Je regarde plus le chat, attends. Voilà, j'ai mis mon fichier en plein écran. Il faut plus que je vois la question non plus. Voilà, ok. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. C'est reparti. Avec qui Falbala est-elle mariée? Passe. Qui est le doyen du village d'Astérix? Je vais pas dire de la. J'ai aucune des dons. Je réfléchissais aux deux en même temps, c'est pour ça que je prenais du temps, mais j'ai aucune des deux, j'arrête. Ok. Très bien.
Ramenez tous vos ménisques. Non, je suis... Je suis vraiment désolé pour le chat. Allez, le tailleur de ménisques. Je suis désolé, mais... Nous. Merci beaucoup pour le follow, Sean Ryder. Bref. Ok. Putain. Le reste de l'émission. Ça m'a rendu flou. Ok, ça m'a rendu flou, c'est pas grave. J'arrive. Ah, question. C'est canonique, exactement, mais oui. Vous avez les réponses, donc. Comment s'appelle le chien? Le chien. Comment s'appelle le chien? Obélix, pardon. Donc, Idéfix. Faut pas... Non, mais le chat, arrêtez, s'il vous plaît. Que reproche-t-on aux poissons dans notre alphabet X? Qui ne sont pas frais, évidemment, c'est une bonne réponse. Quel est le métier d'Obélix? Il est de menhir. Alors, menhir. Alors, officiellement, il n'est pas tailleur de miner. Il est mort. De miner? Ah bah ouais. J'ai... De pierre? Oh putain! De pierre miner? Oh pardon. Ah oui, mieux. Bernard. Ça va pas l'arranger, ça. Bon, c'est ça, on va en rajouter là. Il est pas tailleur, il est livreur, simplement. Livreur, ouais, non mais je savais qu'il y avait un truc, mais. Tailleur de gros minet. Oh là, ça y va là. Je suis désolé, le chat, mais je vous regarde plus, sinon je tiendrai pas l'émission. Ma cam. Promis, on répète rien. Mais... Seconde, je remets ma cam, hop. Avec qui Falbala est-elle mariée? Elle est mariée avec Tragicomix. Que l'on voit dans je sais plus quel film d'ailleurs. Bah, j'y suis plus. Et quel est le doyen du village? C'est Ashkananix. Regardez le chat, putain. Ok. J'ai oublié. Ça nous fait 2 points si. Oui, c'est Asterix contre César, exactement, Limios. Ça nous fait 2 points pour Noé. Bon, ce qui reste pas mal, tu conserves quand même une belle avance. Et ça a été dur. Rattrapable. Je suis désolé, hein, Noé, mais. Hop. mais c'est ta faute quand même. Ah oh, moi j'ai sorti ma dinguerie, c'est bon. Merci beaucoup Shidi pour ton renouvellement de sub. Oh pardon. Oh. Ouf. J'ai chaud et tout là, j'en peux plus. Mais bref, rien à voir, c'est du génie, c'est du génie comme nom. Ah effectivement. Tragicomix. Ça fait longtemps qu'un mec m'avait pas rendu aussi chaud de Noé. Quoi? Quoi? Oh mon dieu. Allô? Alors, Romain. Oui. Bah c'est simple, il faut au moins faire 3 points pour espérer être qualifié. Ouais, oui. Mais sur quel thème? Mais sur quel thème? Même si je pense que ça va arranger Tomanda, je vais quand même prendre le noir, parce que chanson est une nulle. Donc autant aller sur le thème un peu mystérieux, comme ça. Ouais. Ok. Eh ben, le thème, le noir. Est-ce que tu es prêt? T'as 0 secondes. J'ai 0 secondes, let's go. Ouais, non, c'est bon. Non, ouais. ça arrive, vous inquiétez pas. Est-ce que tu es prêt, mon cher Romain? Oui. C'est parti. Aux échecs, quelle couleur s'oppose au noir? Et blanc. Oui. Quel groupe de rock français est connu pour les chansons Le vent nous portera et L'homme pressé? Noir Désir. Oui. Dans la saga Harry Potter, quel est le plus grand mage noir de tous les temps? Voldemort. Ouais. Quel mouvement vestimentaire est souvent relié à des habits noirs et du cuir, ainsi qu'un maquillage assorti? C'est un mouvement vestimentaire, ce que je veux dire ou pas? Du noir et du cuir. Punk? Non. Ah. Quelle pierre volcanique noire peut être créée en mélangeant de l'eau et de la lave dans Minecraft? Oh ouais, non mais là voilà, on rentre sur les thèmes que je connais pas. Tu peux répéter la question s'il te plaît, du coup ça m'a perturbé. Quelle pierre volcanique noire peut être créée en mélangeant de l'eau et de la lave dans Minecraft? Qu'est-ce que je connais comme pierre volcanique noire? Parce que sinon, pas de Minecraft que je le saurais. Putain, comment ça s'appelle? Oh, je vais dire basalte, mais c'est pas ça. Non. C'est
terminé. Et j'ai fait au moins les 3. Dégoûté, j'aurais fait 5. Donc effectivement, si ton Wanda fait 0, il y a un petit bonus qui est fait. Je laisse l'espoir, je laisse le suspense. Ça exactement. Donc, quelle couleur s'oppose au noir aux échecs? Évidemment, le blanc. Quel groupe de rock français est connu pour les chansons Le vent nous portera et L'homme pressé? Noir désir, tu l'as eu. Dans la saga Harry Potter, quel est le plus grand mage noir de tous les temps? C'est bien évidemment Voldemort. Quel mouvement vestimentaire est souvent relié à des habits noirs et du cuir et à un maquillage assorti? Gothique. Gothique. Ah, gothique. Ah, mais c'est le cuir qui m'a perturbé. Hein. Je sais pas pourquoi. Mais... Effectivement, ouais. Linios, tu as la dernière réponse. Quelle pierre volcanique noire peut-elle créer en mélangeant de l'eau et de la lave dans Minecraft? C'est de l'obsidienne. Ah oui. Ok. C'est de l'obsidienne. Bon, ça pas nous de fait regret, quand même en vrai. Tu as atteint l'objectif qui était de mettre 3 points. De mettre et la pression. Tout est entre les mains de Toranda sur le dernier thème. Sur chanson française. Les années 80-90, c'est précis. Bah bon. Et d'ailleurs, c'est des chansons francophones même. Ouais. Est-ce que tu es prête? Oui. C'est parti. Quel chanteur nous invite à danser dans la chanson Les Sunlight des Tropiques et nous invite à l'amour dans On va s'aimer? Julien Montagné. Ouais. Quel chanteur nous donne rendez-vous dans 10 ans dans sa chanson Place des Grands Hommes? Patrick Bruel. Oui. Quelle chanson de Florent Pagny possède un clip où les paroles sont exprimées en langue des signes? Savoir aimer. Oui. Dans quelle comédie musicale peut-on voir Daniel Balavoine et écouter les chansons Quand on arrive en ville et le blues du businessman? Passe. Allez, dans quelle chanson de Céline Dion peut-on entendre le refrain « J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs » Pour que tu m'aimes encore. Oui. Dans quelle comédie musicale peut-on voir Daniel Balavoine et écouter les chansons « Quand on arrive en ville » et le blues du businessman ? Fuck. Bon. J'ai 30 secondes. Putain. C'est un truc en A, ah, mais c'est quoi, putain? C'est terminé. Ah, j'ai pas. C'est quoi? C'est Starmania, non? Starmania, évidemment! Elle est pas revenue, quoi! Dans le chat, comme d'habitude, dites-moi combien vous auriez eu. Je vois que ça, vous avez bien aimé mon petit Céline Dion, là. En même temps, c'est une de mes chansons préférées. Je la maîtrise. J'ai la même hauteur de voix qu'elle, en plus, donc c'est parfait. On veut l'interprétation complète, maintenant. En vrai, venez sur mon live, je vous la ferai. Allez, avec une parodie du clip. J'ai pas le clip en tête, je regarderai. Donc, quel chanteur nous invite à danser dans la chanson Les Sunlight des Tropiques et nous invite à l'amour dans On va s'aimer? C'est évidemment Gilbert Montagné. Alors, je sais que ça va faire, enfin, qu'on va pas me suivre là-dessus, mais je suis extrêmement fan de Gilbert Montagné. Je l'ai vu plein de fois en concert avec mes parents et tout, parce qu'ils m'ont élevé dans Gilbert Montagné. Enfin, tout bien tout honneur, hein, évidemment. Ellie, t'aurais pas vu. Effectivement, lui ne m'a pas vu. Quel chanteur nous donne rendez-vous dans 10 ans dans sa chanson Place des Grands Hommes? C'est évidemment Patrick Bruel. Quelle chanson de Florent Pagny possède un clip où les paroles sont exprimées en langue des signes? C'est Savoir aimer. C'est un très beau clip d'ailleurs. Dans quelle comédie musicale peut-on voir Daniel Balavoine et écouter les chansons Quand on arrive en ville et le blues du businessman? Elle est pas revenue celle-là. C'est Starmania. Et dans quelle chanson de Céline Dion peut-on entendre le refrain J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs? Pour que tu m'aimes encore. Bah ça nous fait 4. Oui. C'est très bien. Et ça suffit largement. Oh, largement. Tu passes même en première place de cette manche avec ce thème. Donc voilà. Bravo. Non, la vanne de Noé n'est pas passée inaperçue puisque j'ai rebondi dessus, Ninu. Si, si. Mais en tout cas, Noé, Towanda, on va vous retrouver en finale. Romain, désolé, mais merci d'avoir été là en tout cas. Non, c'était trop bien. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dévoiler le thème que tu avais choisi pour ta finale? C'était la bière artisanale. Ah.
J'en ai chié ma race. Je te déteste. Ouais. Je ne bois pas d'alcool, j'y connais rien. J'ai appelé plein de gens, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise comme question sur la bière artisanale ?» J'avoue que... Ouais, c'était, mais j'aime c'était, bien. C'était une vraie galère, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Mais j'ai hâte de les savoir, du coup. Je te les donnerai en fin d'émission, comme, grave. Comme pour tout le monde. Nous, en tout cas, on se retrouve dans 3 minutes avec Noé et Towanda pour la finale. A tout de suite. Du Fred MNX. Et rebonsoir à tous. On est là, c'est l'heure du duel entre Towanda et Noé. Merci déjà, merci encore d'être aussi nombreux. J'ai vu encore une fois sur différents Discord que vous êtes réunis pour voir l'émission. Merci beaucoup, ça nous touche énormément. Et merci pour votre soutien d'être là. Et bien sûr à tous les supporters de nos candidats d'être là. On passe à la finale. Towanda, bon, elle a l'habitude, mais on a quand même un petit nouveau, et on a quelques nouveaux aussi sur le chat. Donc on va expliquer un petit peu les règles de cette finale. La finale se déroule en deux parties. La première partie, ce sont 10 questions de culture générale et de rapidité.
Donc, ils ont le droit de me couper la parole. C'est le premier qui crie la réponse qui gagne le point. En cas de... On sait pas trop qui a crié en premier. On a Nini en régie qui ira voir l'arbitrage vidéo, tout simplement. Donc, merci Nini d'être là. Et ensuite, on y reviendra après, on réexpliquera. Mais chaque joueur a choisi un thème favori. Et on va poser des questions sur ce thème favori. Mais je vous expliquerai tous les petits détails une fois qu'on y sera. On commence déjà par 10 questions de culture générale et du coup de rapidité, comme je disais. Mes chers candidats, est-ce que vous êtes prêts? Noé? Oui. Ok. C'est parti. En quelle année le président Kennedy est-il assassiné? 1963. C'est une bonne réponse. 1963. Un point pour toi, Wanda. Quelle chanteuse française est connue pour le titre Moi Lolita? Alizée. Deux points pour toi, Wanda. Quel animal marin peut atteindre la vitesse de 800 km/h? Dauphin. Dauphin. Ouais. Non. Est-ce que quelqu'un a une idée dans le chat? Ouais. Quel animal marin peut atteindre la vitesse de 800 km/h? La crevette. Un requin? La crevette? Crevette? Non, non. Il faut quelqu'un qui... Si quelqu'un me connaît bien, il connaîtra la réponse parce que je suis un peu fourbe. Combien? Un requin? Ah oh, putain. La réponse est aucun, tout simplement. Ouais. Ouais, la bâtardise, ouais. Ah, j'adore. Bah oui, mais si tu t'en rappelles, lors du débrief d'une émission, lors du débrief d'une émission, donc en off, mais c'était une émission avec Azox, donc ton mandat n'était pas là, j'avais dit que je ferais cette question un jour. Pour oui, le troll, exactement, exactement. Quelle spécialité d'Aix-en-Provence est à base de pâtes de fruits, de melon et d'amandes et fait partie des 13... Calissons d'Aix. Les, pardon? Les calissons d'Aix. Les calissons. Et fait partie des 13 desserts de la tradition provençale. Ce sont les calissons. J'en ai acheté ce matin, donc j'ai pensé à cette question ce matin. Voilà, je donc est-ce que tu connais les calissons, Noé? Pas du tout. Ok, donc aucun rapport. Non. Ouais, non, aucun là jusqu'à maintenant. Donc ouais, spécialité d'Aix-en-Provence qui fait partie de la tradition des 13 desserts. Non, non, moi j'adore ça 20-20, mais je peux comprendre. Et juste, petit aparté, la tradition des 13 desserts en Provence est magnifique, hein, parce que moi je vis à Aix-en-Provence, c'est magnifique. À Noël, nous avons forcément 13 desserts sur la table. Voilà, c'est la tradition provençale. Et en tant que grosse bouffe, ça me va très très bien. Il y a la dinde avant et tout. Ah oui, en comptant tout le repas d'avant, hein. Mais il y a 13 desserts sur la table. C'est pas drôle. Alors, pour ceux qui suivent la tradition provençale, c'est le cas dans ma famille, donc voilà. Quelle basilique située à Barcelone est le monument le plus visité d'Europe, d'Espagne? Sagrada Familia. Oui. Le plus visité d'Espagne et non pas d'Europe, excusez-moi pour le bafouillage. Donc point pour Noé. Comment s'appelle le grand méchant de la saga Sonic? Docteur Robotnik. C'est ton mandat. J'ai dit docteur en fait, du coup je me suis bait. Et ouais. C'est ton mandat. Merci. Très bien. Quel pays a Dublin pour capitale? L'Irlande. Du Nord. Ah. Noé? Je vois, mais je l'ai pas. Ah, c'est l'air. Non, mais là, tant pis. En fait, tu as rajouté du Nord, mais c'est... Ah, merde. Du coup, je pensais pas si c'était ça l'erreur ou pas, bah tant pis pour moi, mais... Parce qu'au début, t'as dit l'Irlande, après t'as dit du Nord, donc c'était... bah non. C'était l'Irlande, ouais, ouais. Ah, fait chier. Bah non, du coup. C'est l'Irlande tout court, ok. C'est l'Irlande tout court. C'est l'Irlande tout court. Quelle actrice interprète
Padmé Amidala dans la saga Star Wars. Natalie Portman. Oui. Dans quelle capitale européenne peut-on trouver la statue de la petite sirène représentant le personnage du comte d'Andersen? Romain là, hein, vous voyez pas à la cam, mais Romain est en train de péter un câble. Une capitale européenne, au pire, au hasard. Hein. Paris. De quoi, pardon? Paris, moi je dis, mais. Non, Toronto. Copenhague. Bah oui. Et... Donc la petite sirène. La petite sirène qui ne vient pas de Disney, hein, qui vient d'un conte d'Andersen à la base, et Andersen qui est danois. Donc Copenhague. J'annonce que c'est pas la première fois qu'elle nous fait ça, hein. C'est pas possible. Oui, c'est loin d'être la première fois qu'elle nous fait ça. Honteux, le clutch, what the fuck. Okay. Ça, c'est le virement PayPal, je lui ai crié la réponse dans l'oreillette, mais vous l'avez pas vu. Qui était, et c'est la dernière question de la première phase, qui était le sélectionneur de l'équipe de France de football lors de la Coupe du Monde 98? Mais Jacquet. Inarrêtable. Inarrêtable. Oh. Et elle est malade en plus. Impartial. Mais elle est malade en plus, c'est ça les pires. Alors, ça nous fait 7-1 pour cette première phase, mais ce n'est pas fini, Noé. Ne t'inquiète pas, c'est rattrapable. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est rattrapable. La première phase est finie. Maintenant, on attaque la deuxième phase. Comme vous voyez, il y a des petits espaces libres au-dessus des caméras des candidats. Chaque candidat choisit un thème favori. Et donc maintenant, je vais poser 5 questions à chaque candidat sur son thème favori. La subtilité, c'est que s'ils répondent bien à une question de leur thème, ils gagnent un point. Par contre, s'ils répondent mal, l'adversaire a le droit d'essayer de répondre et gagnera 2 points en cas de bonne réponse. Donc effectivement, tout peut basculer, ça va dépendre du thème. Si Noé connaît bien le thème de Towanda, bah, il peut très bien profiter des erreurs de Towanda. Mais il va être l'heure de dévoiler les thèmes. Towanda, c'est à ton tour. Le film Princess Bride. Alors Noé, si tu n'as aucune idée de ce que c'est, moi non plus. Personne connaît le thème de Towanda. Oui, c'est ton thème. Oui, ouais, mais oui, ça connaît. Ouais. Mais du coup, je peux pas gagner les points, en fait. Donc, si tu veux, on a... Minu a dû regarder le film pour trouver des questions. Moi, j'ai fait un appel à l'aide sur Twitter pour essayer de trouver des gens qui connaissaient le film. Bande d'inculte, t'as dit Miss, ouais. C'est un de mes films préférés. Oui, bah, peut-être. Mais la dernière fois, Miss Kilos, tu n'as pas connu Braveheart, qui est mon film préféré. Chacun sa culture. Noé, est-ce que tu veux bien nous dévoiler ton thème? Il est juste là, si les gens ont bien vu. C'est My Hero Academia. C'est un mur blanc, ok. Non, pas là. Là, c'est pas un mur blanc, là. Là. C'est l'anime. C'est un peu loin, c'est petit. L'anime. Chacun autant de chances de se voler les questions. Et après, des fois, sur un malentendu, ça peut passer. Hein. On va évidemment quand même jouer cette finale. Towanda, on commence par toi. Mmh. Est-ce que tu es prête pour ta première question sur Princess Bride? Dans quel pays fictif se déroule l'histoire racontée par le grand-père? Florin? Le royaume de Florin, c'est une bonne réponse. Noé, My Hero Academia. Comment s'appelle le personnage principal? Izuku Midoriya. Bien joué. Towanda, Princess Bride. Quel est le nom de l'acteur jouant le grand-père, surtout connu pour son célèbre rôle de l'inspecteur Colombo? Peter Falk. C'est une bonne réponse. Noé. Comment s'appelle l'alter du héros? Le One for All. Joli, je l'avais pas celle-là, tôt. Ok. Ah, Miss Kilos courait déjà un choke. Towanda, Princess Bride. Quel jeu vidéo de baseball
apparaît dans la toute première scène du film? Je sais pas. Alors peut-être Noé qui va gagner 2 points ici. Quel jeu vidéo de baseball apparaît dans la toute première scène du film? Je peux te faire la musique si tu veux, mais je n'ai pas le nom. Vas-y, vas-y. Aucune idée. Bah, en même temps, un jeu de baseball. Et donc, le jeu s'appelle Hardball. Écoute, Miss Killeuse, déjà, on a fait ce qu'on a pu parce qu'on connaissait pas le film. Et sur la Cité de la Peur, Towanda nous a dit franchement, c'était trop facile. Non, mais c'est bien. Tiens, ça serait des trucs. Noé, My Hero Academia. Comment Isoku surnomme Bakugo? Kachan. Oui. Wanda, Princess Bride. Quel est le nom du valet de ferme amoureux de la princesse Bouton d'Or? Wesley. Oui. À ne pas confondre avec Ron, évidemment. Noé. Combien y a-t-il d'élèves dans la classe d'Isoku? En comptant Isoku, évidemment. La question bâtarde. Ah bah y'a pas que Toranda qui a des questions bâtardes. Vous m'avez donné le même montant sur Paypal, donc Ah bon? Pourtant, bah, t'as payé cher. En vrai, j'ai pas 27. Non. Toranda, tu as le droit de tenter une réponse. 25. Non. J'aurais pu essayer de compter les élèves, mais on n'y était pas rendu. Combien? Il y en a 20. Dernière question. Toranda, quel catcheur français joue le rôle d'un dans la réponse. Quel catcheur français joue le rôle d'un lutteur danois et poète connu sous le nom de Fezzik? André the Giant. Oui, oui, je savais que j'aurais celle-là. Je savais qu'il pourrait pas résister. Noé, dernière question. Qu'enseigne Ken Ishiyama, aussi connu sous le nom de Cementos, au lycée Yue? Ah, je l'ai C'est une question 5. Je vais tenter un truc, la littérature. Exactement, c'est une bonne réponse. Ça sort de nulle part, mais... Bravo. Bravo quand même, parce que sur vos thèmes, vous avez été fort. Mais la culture générale a été plus favorable, et la rapidité surtout. Ah, mais parce que forte, Noé avait quand même eu beaucoup de réponses de culture générale, mais la rapidité était du côté de Towanda. Et Towanda, il ne reste que 2 émissions de la saison 1. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, tu es la plus grande championne de la saison 1 de Cul Quiz. Avec ta 3e victoire. Félicitations. J'ai ramé pour celle-là. Nunu, on peut réafficher tout le monde. Effectivement, Towanda, ça a été un peu plus laborieux que les fois précédentes. Mais la victoire, elle est quand même là. La 3e victoire, c'est surtout elle la première manche qui était plus dure que d'habitude, donc ça s'est vu. Ouais, la première manche était un petit peu hard, effectivement. Et je suis pas tombée sur des questions que je savais, donc voilà, bref. Bravo, Towanda, trop forte. Est-ce que sur les thèmes des candidats, vous étiez bien dans le chat? Et Chidilia et Romain, sur les thèmes des candidats, vous... Ah non. Zéro pointé, je pense. Là, voilà. Ok. Bizarrement, André the Giant, parce que je crois que c'est Squeezie qui a fait une vidéo. Il a fait une vidéo il y a pas longtemps sur lui, ouais. Ouais, donc c'était peut-être la seule réponse que j'aurais pu avoir. Et je crois qu'il y a un autre YouTuber qui vient d'en sortir une il y a 3-4 jours sur André the Giant, mais ah ouais, je sais plus qui c'est. Ça serait pas Monsieur Optin par hasard? Ça me dit rien, enfin je sais plus. L'overlay il est pété, comment ça? C'est qu'il n'y a pas les scores, c'est tout, non? Ah non, c'est juste que les noms correspondent plus aux gens. Salut, Chitoanda. Il y a deux Towanda et tout, mais enfin... Moi, je suis Noé. C'est un détail. J'allais chercher une chemise à fleurs, du coup. Bon, en tout cas, sur le chat, merci infiniment d'avoir été là. Restez encore un petit peu, hein, parce qu'on n'a pas fini, on va rester encore 2-3 minutes. Et ensuite, on va faire un raid
comme d'habitude, sur quelqu'un de formidable. Donc on va essayer de lui envoyer un peu d'amour. On va profiter qu'on est nombreux pour envoyer un peu d'amour à un streamer qu'on aime beaucoup. Si, t'inquiète, je l'ai en tête. Merci pour avoir drop mon lien Twitch. N'hésitez pas à me suivre aussi. Pas que nos chers streamers, mais nos chers streamers aussi. On va rebalancer les liens de tout le monde. J'espère que ça s'est bien passé quand même pour vous, mes chers candidats. Ouais, très bien. Ouais. Parfait. Félicitations Inomi, merci beaucoup. Mais félicitations aussi à Nunu pour la régie, qui n'est pas un boulot facile. Merci à tous d'avoir été là, vraiment. Voilà, on est en train de rebalancer les liens. N'hésitez pas à aller follow tout le monde, parce qu'on invite que des gens qu'on aime bien, que des gens bienveillants, des gens gentils. Donc voilà, on essaye de leur apporter un petit peu de force. Tac, alors. Hop, je t'envoie le raid, mon cher Nunu. Qui qu'en raid ? On va raid Cinepple, qui a participé il y a 15 jours. Donc ça lui fera plaisir. J'ai encore Eno pour le moment de raid. C'est l'heure de compter. Ouais, c'est vrai que Cinepple a des horaires de stream un peu compliqués, donc on va en profiter pour le raid. Merci Limio pour le follow. Ah oui, oui, j'ai vu qu'il y avait eu un follow pour Romain et tout aussi. Et merci voilà. 2020. 250 et... grâce à lui du coup. N'hésitez pas à follow tous nos streamers, on a balancé les liens. N'hésitez pas à me follow, n'hésitez pas à follow Nunu, évidemment, tu n'as pas drop ton truc Nunu, je le fais à ta place, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci Nunu qui fait la cuisine comme personne. Merci les candidats d'avoir accepté l'invitation et d'avoir joué le jeu. J'espère vraiment que ça vous a plu. De toute façon, comme d'habitude, on va faire un petit débrief en off. Merci infiniment les viewers d'avoir été là et surtout ceux qui se retrouvent entre eux et qui jouent ensemble. Je trouve ça vraiment trop bien. Ça me touche énormément. Je le répète, mais c'est parce que vraiment ça me touche. Nunu m'a oublié. Oh non, mais on n'est pas parti encore, t'inquiète pas. Si, mais c'est pas grave. On va faire un point d'exclamation Chidilia. C'est raté, Vincent. La pauvre. Ça va aller. Ça. PLS. Voilà, double commande. Donc voilà, merci à tous. Envoyez un petit peu d'amour à Cinepple qui est venu participer il y a 15 jours et qui était trop bien dans l'émission. Envoyez-lui un petit peu d'amour de la part de toute la Netra. Et puis voilà, aussi pour. C'est une façon aussi de soutenir l'émission, de montrer que vous étiez là. Merci à tous, merci cher candidat, merci ma régie adorée, merci Nunu qui était en arbitre. Bonne soirée à tous, et on se retrouve dans 15 jours, peut-être avec Toranda, vu qu'elle est invitée d'office, on verra bien. Dans tous les cas, bonne soirée à tous, et merci encore d'avoir été là. Salut. 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 Salut.